Thank you all for your patience. As I mentioned, we had some technical difficulties, but we performed work in when in Brazil they would call a gambiarra, which is the kind of hack when you kind of make something work that doesn't work the way it's supposed to. So thank God for a gambiarra. Anyway, I'm Richard Gerson. I'm the director of the Center for 21st Century Studies. And it's my honor to welcome you here today for a conversation between two remarkable and distinguished individuals. This event is being co-sponsored and hosted by the Center for 21st Century Studies and the French program in the Department of French, Italian, and Common Lisp, with additional support from the Masters in Language, Literature, and Translation, the Department of Women's and Gender Studies, Center for Latin American and Caribbean Studies, and the Institute for World Affairs. And with you, I'm very much looking forward to this conversation. In order to provide a more proper introduction of our two guests, I'm really pleased to introduce UWM's own Sarah Davies Cordova, professor of French here. Sarah is the creative genius behind today's conversation. She was the one with the vision to make it happen, and the person who provides tremendous energy to this event and really to everything she does. So please join me in welcoming her. Thank you, Richard. Good afternoon, and a warm welcome to everyone at Autumn Sexting. It is an honor and my distinct pleasure to present Madame Christiane Taubira and Monsieur Raoul Bock to you this afternoon, for this is a rare privilege for all of us to be here today as witnesses and participants in their conversation, when words and images matter, challenges to our time. This conversation is a first, for although our distinguished guests know each other well, they are sharing a stage together for the first time under these auspices. For our community at UWM and in Milwaukee, their presence has been felt much longer than yesterday and today. Madame Taubira is gracing us with a third visit. We have had the honor of awarding her an honorary doctorate in law and human rights, and her texts are intertwined in our curriculum, offering our students a rich understanding of core issues at stake in the humanities. The same is true for Monsieur Peck. His films have been featured 5 times in our annual Festival of Films in French. And we're hoping to show 2 more this coming February, as well as numerous times in our courses. Through their words, their images, and their actions, Madame Taubira and Monsieur Peck have left indelible marks on the world. Please allow me to take a few moments to share with you some of the highlights of their public work. Christiane Taubira was born and raised by her mother in Cayenne, in the French Overseas Department of Guyana, on the Atlantic coast of South America, and later attended university in the 1970s in Paris. In 1992, she co-founded the left-wing Guyanese party, Wanwahi, the FAN, that sought the independence of the former French colony. The following year, she was elected deputy to the French National Assembly, a position she held for 4 consecutive terms, from 1993 to 2002, and starting in 1994, she served a 5-year term as deputy to the European Parliament. Madame Taubira then ran for the presidency of France in 2002 as the candidate for the Radical Left Party, campaigning for a 6th Republic, pro-European, with an economy that measures growth in terms of human, social, and environmental progress. And in May 2012, Madame Taubira was appointed Keeper of the Seals and Minister of Justice of France when François Hollande was elected President of the French Republic. As Deputy and Justice Minister, she carried through to enactment, in the face of fierce opposition, 3 consequential laws that have fundamentally transformed the country of France. As Deputy, she introduced a bill that challenged the French state to address its official erasure of the slave trade and the practice of slavery from its history and public spaces, including the educational system. It condemns as a crime against humanity the slave trade and slavery perpetrated
since the 15th century in the Americas, the Caribbean, the Indian Ocean, and in Europe. While the reach and relevance of this law extends to present-day forms of human enslavement, including sex trafficking around the world, its articles speak to the historical symbols of apartheid, segregation, colonial and imperial rule that continue to stand in public spaces. The 2013 Marriage for All law addresses basic and human civil rights, providing freedom of choice and equality before the law in marriage and adoption. Madame Taubira also undertook significant reform of France's penal system in a law that finally passed in 2014. It instituted penitentiary policies that support sentencing alternatives to punitive incarceration, ones that privilege restorative justice and educational opportunities for offenders to enable their successful transition to civil society. Christiane Taubira remained Minister of Justice through two governmental reshuffles until 2016, when, after weeks of difficult deliberations, she announced her resignation, having concluded that ethically she could not agree to bring to the legislature the government's bill that was stripped by nationals accused of committing illegal acts of their French citizenship. Dr. Taubira is author of seven major essays which articulate the connections between current societal inequities and the state's legal, economic, and political history. They address current injustices, discriminations, and the violence that fragment our world, and call for the redress of the Republic by the people and the generations that are coming of age now. Like her exquisitely crafted speeches and her stunning responses on the assembly floor, her essays testify to her commitment to Republican ideals, to the concept of laïcité, to the principles of liberty, equality, and fraternity, to affirm the dignity of all persons. Whether she's in explaining slavery to her daughter, in her Parole de Liberté, which throbs with the pulse of her ethical compass, in her wish to impart a new meal de la jeunesse, or in her affirmative Nous habitons la terre, and her striking preface to Marie Sicrest's essay, The Case for Reparations, Christiane Taubira's frank and incisive prose draws upon her intellectual, political, literary, poetic, and musical inheritances, past and present, local and global, and resonates with the drumbeat of the convictions that still have. For Monsieur Raoul Pep, similarly urgent concerns have accompanied him throughout his life, and he has expressed them with poignant visuals and scripts in his films and documentaries. It is his encounter as a teenager with Baldwin's writings that sparked his lifelong engagement with pictures, images, and words. From an early age, growing up in Annecy, during the Duvalier dictatorial regime, Pep was confronted with the rituals of nature and power. After his parents were forced to flee to Haiti in 1961 and settled in the Belgian Congo, Raoul Pep spent his formative years in Leopoldville, now Kinshasa, and in Orléans, France, where he graduated from the lycée, then in Berlin, where he studied economic and industrial engineering before passing the entrance exam to the Berlin Film and Television School. He interrupted his film studies to shoot his first length film, Haitian Corner, in Brooklyn, where so many Haitians had settled after Duvalier's reach, almost, and therefore thereafter returned to Germany to finish his degree. Berlin, like Paris for Christiane Taubira, contributed to shaping Raoul Pep's worldview at a time of turmoil and revolutionary movement. There he read Marx, Gramsci, Fanon, thinkers of the Frankfurt School, liberation theology, Italian trade unionists, and anti-Semitism, and determined that he would seek to portray new perspectives along the lines of what was emerging as third cinema. In 1991, Pep laid the groundwork for his cinematographic style with Lumumba, Death of a Prophet, by making of his own story a collective transnational history. Since then, he has made over a dozen masterfully crafted, highly acclaimed full-length films and documentaries. In 1996, after a two-year teaching residency at New York University, Raoul Pep accepted the position of Minister of Culture in the government of René Préval, a position he held for 18 months before following his conscience and resigning along with key members of his cabinet, that included two prominent writers
And we have had the privilege of welcoming to our campus more than once, Yannicka Ellis, and recently Denham West. Since 2010, when he was appointed by the President of France, Raoul has been the President of the CIS, the French National School of Cinema in Paris. And in 2012, he was selected as a member of the Palme d'Or jury for the Cannes Film Festival. He is a recipient of the Nestor Almendros Prize in recognition of his human rights work, a Chevalier de l'Ordre, Honneur et Mérite in Haïti, and Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres in France. As France's national film director, Raoul Peck utilizes his agency to frame the abuses of power in colonialism and contemporary imperialist space, deconstruct historiographic myths, and challenge audiences to question their consumption with images and rethink and revise their history. Peck meets issues head-on, favoring a multiplicity of perspectives and non-linear structure. Whether set in the Congo, as in the case of his two films on Patrice Lumumba, in Rwanda, with Sometimes in April, in Haiti, with L'Homme sur les Quais, Moloch Tropical and Fatal Assistance, among others, or in the United States with I Am Not Your Negro, violence or its memory constantly erupts and constructs a simultaneity, a palimpsest of historical, mythic, political and emotional timing. We have with us today two extraordinarily artistic and political figures whose lifelong practice is undergirded by the conviction that words and images matter. To use Raoul Peck's words, their commitment is uncompromising. To this earth which we inhabit, to paraphrase the title of Madame Toubira's latest work, in the Vie sur la Terre. Raoul Peck creates the counter narratives that she calls for in her essay, that move away from heroes and tell a story in all its political, economic, social and historical complexity as something inaccessible, fragile, unique, in a word, human. So we'd like to pass the words over to you, and we're going to change a little tiny bit the order of how you would talk about it, and so I'm going to maybe just start with a question. And so, in thinking about words and images, I thought maybe we could talk about different meanings of words and different meanings of images. And since we are in these challenging times, the words that we actually use and the images that we put up say a lot and can inflect things very strongly. So, words matter in questions of justice and equality. They matter for how they respect the giver and the receiver. In French, the word hôte means both guest and host. And hospitality is perhaps best expressed in the Antillean greeting, honneur, respect, honor, and respect. It is close to the South African Ubuntu that Archbishop Tutu felt throughout the 60s of time. I am because you are. Can this old world hospitality serve as a word of consequence still today? It's funny that you did this lapsus with this old world, because in fact, while you were saying all this about the meanings of words, the importance of images, it's incredible to see how today we are in a world, at least since the new president was inaugurated here, how the old meanings have been shifted. It's very hard to find our hotel,
Jesus, there's nothing where you, nothing is sure anymore. You can say something one day and take it back the next day without any consequences. So, at a time where indeed context was important, today even context seems not important. Numbers are not important. Any proof you can bring to a discussion can be pushed aside as fake, and we don't want to prove it as well. So it's a very, I feel like our discussion on that topic is irrealistic somehow. But we are never back and nevertheless have the discussion. And as far as I'm concerned in terms of words and images, as an artist from the third world, we had a quite different burden on our shoulders. And myself as a filmmaker, I come to the world into a world where I was confronted with images that were not telling my own story. And I had to find a way to tell my own story. We came in a world of cinema after 100 years of existence where none of the story comes from our reality. So making film about today was also making film about the past. We had the burden to carry the past as well into our present. And to bring context, to bring the context and complexity as well. And while doing that, we also have to make fun, which sometimes also is like all conflicting elements. Because you are supposed as an artist to set aside politics, to set aside reality as such, but to find a transcendental way of telling a story. And that confrontation, which was also bothering God, you know, when he says that we have to be a witness and an actor at the same time. And it's this conflicted moment because somehow we are forced to be the two at the same time. And I think it's generally for as well as saying, of being a politician and at the same time struggling to remain a human being. And you have no choice, but yes, we are that far. Politics for me at least was not a field that I enjoy being in. So I was conflicted with it. And so it's always this aspect of similar stagnancy, what is sometimes, which is related sometimes. Yes, thank you. And first of all, thank you so much for this double presentation of Raoul Peck and myself. It was very, very valuable, you see. Anyway, with me, you're supposed to wear this afternoon because I'm going to speak French. And so you have to make some info. I try to master my mind talking to you. How do I deal with words? Words are events. Les mots sont des événements. Et où sont les faits? Because they provoke events. Et lorsque nous sommes en responsabilité, comme nous l'avons été tous les deux, Raoul Peck a été ministre de la Culture, j'ai été ministre de la Justice, nous avons le souci, parce que nous avons les engagements, nous avons le souci de bien faire et de bien faire pour le plus grand nombre. Et nous devons expliquer notre action. Il est important d'avoir les mots précis
everyone has asked some questions. Wow! No one has the... Ah, d'accord. Très discret et très élégant. Donc, les mots sont des événements parce qu'ils créent des événements. Ils créent des événements. Et avec les mots, on transforme la réalité parce qu'avec les mots, on peut mobiliser l'énergie pour rendre effectives des décisions que l'on prend. Il est donc extrêmement important qu'en politique, on explique l'action. Et une des grandes faiblesses de la politique depuis plusieurs années, c'est son incapacité à expliquer l'action. C'est son incapacité à dire. La politique, évidemment, mon expérience est principalement française. En politique, mais j'observe beaucoup la politique ailleurs, notamment en Europe, puisque j'ai été députée au Parlement européen, et qu'en tant que ministre, j'ai participé à un conseil des ministres européens pratiquement tous les deux mois, pendant quatre ans. Je connais bien l'expression politique en Europe, mais je l'entends aussi ailleurs. Et Raoul rappelait comment, depuis moins d'un an maintenant, depuis neuf longs et longs mois, lourds, les mots perdent tout leur sens et même les faits perdent de leur réalité. Je fais une parenthèse pour dire pourquoi je m'autorise à dire un certain nombre de choses sur ce qu'est devenu votre pays pour celles et ceux qui sont américains et américains en Espagne. Je suis extrêmement respectueuse des institutions. Et je respecte donc les résultats d'un processus électoral. Même si je suis perplexe lorsque le résultat électoral démocratique désigne une candidate et que la dernière étape du processus désigne un autre candidat. Mais je n'ai pas à m'exprimer sur votre dispositif électoral. Et je ne me permettrai pas de dire s'il est bien ou non que vous ayez tel président ou tel président. Mais nous vivons dans un monde qui est de plus en plus relié. Et nous avons une institution multilatérale qui est censée prendre en charge le monde. Et pour que cette institution multilatérale, l'Organisation des Nations Unies, puisse prendre en charge le monde, régler les conflits, donner la préférence à la diplomatie, permettre le dialogue, renforcer les solidarités, prendre des décisions et les rendre effectives et efficaces, il faut admettre qu'il y a le lieu et le temps d'une nation, et puis il y a le lieu et le temps de l'ensemble des nations. Et autant je vais garder pour moi ce que je pense de ce qui est dit et de ce qui est fait ici aux États-Unis, je garde pour moi, mais je n'en pense pas moins, autant pour ce qui concerne le monde, j'estime n'avoir aucune obligation de réserve parce que j'habite le monde et que je suis concernée par l'état du monde et que je ne peux pas m'effacer lorsque quelqu'un met en danger l'état du monde. Et je crois que c'est quand même ce qui se passe actuellement. Voilà pourquoi je me permettrai peut-être dans la conversation d'émettre un avis ou une critique assez peu tiède sur certains propos, certains positionnements. Les mots peuvent être tendres, ils peuvent être rassurants, ils peuvent être éclairants, ils peuvent être assassins. Donc les mots comptent et les images aussi. Les images renforcent les mots et
La force des humains, c'est que parfois, elles se passent de mots. C'est que Raoul Peirce peut très bien faire dans certains de ses films, dans ses films, mais dans certains de ses films où parfois il nous offre des images qui sont tellement éloquentes qu'elles n'ont pas besoin de l'accompagnement de mots. Donc oui, les mots et les images comptent beaucoup. Et oui, lorsqu'on a des engagements politiques fondés sur des idéaux, et oui, lorsqu'on assume des responsabilités, et notamment des responsabilités ministérielles, comme nous en avons assumé tous les deux, oui, les mots comptent beaucoup. Et la première marque de respect vis-à-vis des citoyennes et des citoyens, c'est de choisir très précisément les mots à partir desquels nous établissons nos relations avec les gens. Lorsque nous sommes en responsabilité, que nous prenons des décisions, et que ces décisions ont des effets sur la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens, la première marque de respect, c'est d'être capable de poser sur ces décisions les mots qui permettent aux citoyennes et aux citoyens de savoir ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, comment nous le faisons. Et c'est pour ça que nous sommes constamment en prise, effectivement, avec le mot qu'il faut, avec la phrase qui convient, avec la construction même de l'intention traduite par ces mots dans notre relation avec celles et ceux que nous avons l'honneur de servir lorsque nous sommes en responsabilité. Je pense qu'elle a tout dit. One of the things that comes up in both I Am Not Your Negro, and it also comes up in the Vicomateur, and also in your preface to the translation of Chinese people's essay, is this question of how do we make the world whole again? And one of the terms that comes up with Chinese speakers is this notion of restoration. And it's a heavy word. And I was having a beginning of a conversation that we didn't have time to finish yesterday with Mr. Petwas, who were waiting for him to go and speak to the students. And so I'd quite like for the two of you to talk a little bit about making the world whole. And if reparations indeed the world or the way forward for trying to address some of these enormous inequities that inhabit. Well, first of all, I want to say that I'm of course aware of the struggle that Christiane Taubira has to go through with imposing or trying to institute new laws in France, and through that bring big change, important change in the way of French people recognize their own history. And for many reasons, I have not been part of that fight because in France, I am not French, I am a foreigner. So, the same students that she has here, I will not have here because I'm also a resident in this country and my family has been in this country for a long time. My older brother went to Vietnam, so I get to that, to the fact that I get the right to speak up when it's needed. But the word of, or the subject of reparations, of course, is a very loaded thematic for me, coming from a country like Haiti, where our story of the, is the story of the first three country of America, and where, although we have gained our independence through arms, through war, against the most powerful powers of the time,
Britain, Spain, France, and Portugal. They were not in the Navy, but they were not far away. And so this incredible statement of African slaves in the Americas to stop slavery, this is an historical fact. And near a country who will be the center for decades to come of freedom and democracy. But the fact that this incredible event on this continent was totally silent for centuries is also say something about what kind of democracy we are talking about and freedom. It never meant freedom for everybody. So the discussion about reparation for me as a nation was always a very difficult thematic because Haiti had to pay reparations to the French. And you had to do that. I think the amount that economists are talking about is equivalent of $28 billion for young republic ravaged by war, by an independence war, where most of the forces were killed, and in a very hostile world, because most of the powers were forbidden to have covered with the independence. So, first took 35 years to recognize that independence, threatened us of new invasion, and ultimately the nation government at the time accepted to pay that debt, which is reparation for the colonizers. And Haiti finished paying that debt until after Second World War, 1957. Because you know that kind of debt goes through banks. And the banks have a great memory of that. So they will follow you as long as they need to recuperate their money. And so reparation has been used sometimes by politicians in my own country for their own political means. And the discussion in France is also difficult because of the relationship of the islands like Martinique, Guadeloupe, and also the continent of Guyana. It's a very, I would say, turbulent history where much of that history is not in, I would say, in French daily conscience, and they might see that reparation as something that we are begging for. And this is, of course, something that is unacceptable. If reparation is a symbol to start a discussion, yes, we should have a discussion. But if it's a sort of economical reparation in terms of asking for pardon or some sort of heaven for the rest of history, it's more complicated. We never had that discussion, the two of us, unfortunately. I know where her, I would say, her struggle came from and why it is important, but I have my suspicion in the way it's taken in France, that a lot remains to be discussed. But I think we agree on that with me, but I'm going to speak. Well, the law
often refer to, recognize that make the French Republic, recognizing that fair trade and slavery are a crime against humanity. And that means that if it's a crime against humanity, that means that there were victims, human beings, and they know forgetting, but oublie possible. Pas d'oublie possible. No one can repair this crime. No one can repair these people, women, men, children, captured, killed, oppressed, self. No one can do anything about that. Only they did something about that. Because they remain human beings. They kept fighting. They kept hoping. They kept thinking. They kept dreaming. They kept inventing new languages, new religions, new way of life. Let's put it this way. So no one can repair anything about it. And only these people, enslaved, called slaves, could repair something. At the time, they were enslaved. And they gave us such a big legacy with blues, with jazz, with creole, with pictures, with knowledge, including herbs, herbal knowledge, a pharmacopée. So that's a point. And it's un point définitif. Personne ne peut rien réparer. C'est irréparable. Maintenant, cette histoire laisse aujourd'hui encore des traces. Et parmi ces traces, le racisme actif. Les discriminations, l'exclusion des personnes à partir juste de leur apparence, de leur ascendance. Et on ne peut s'accommoder de cela. C'est une histoire qui reste vivante. Il faut y faire face. Est-ce que le concept de réparation est le plus pertinent? Compte tenu de ce que je viens de dire, non. Non. Et surtout qu'on n'en a pas d'autres. Et on n'en a pas d'autres parce qu'il y a une lâcheté collective qui consiste à ne pas affronter le sujet. Parce qu'on ne peut pas l'affronter. Parce qu'on ne veut pas l'affronter. Parce qu'on n'en accepte pas la complexité. On n'accepte pas l'humilité qui consiste à dire que c'est énorme, c'est insondable, c'est abyssal. Et pour le coup, justement, nous sommes pauvres en mots. Parce que nous ne savons pas faire face à cela, le concept de réparation, à cet effet opératoire qui permet de dire de quoi parler. Il faut en parler. C'est notre histoire. C'est notre histoire. C'est la première globalisation. La première mondialisation.
pendant plus de 4 siècles, le continent européen, le continent africain, le continent américain et tout l'arc Caraïbe et les Amériques, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, l'océan Indien, et bientôt l'Asie sera emportée dans tout cela. Pendant 4 siècles et demi, ces continents sont en contact. Il y a des échanges. Et forcément, il y a des échanges, genre, évidemment, d'Europe, de barres exclusives, de tissus, de barres de fer. D'Afrique partent dans des cales, des bateaux négriers, dont nous avons tous vu des images. Donc nous savons ce que signifiait être dans une cale de bateaux négriers. D'Afrique partent les personnes captives, les enfants, les adolescents, les adolescentes. Des femmes, des hommes. Et ce bois d'ébène, cette marchandise, arrive aux Amériques. Et dès les ports, sont organisés les marchés aux esclaves. Et des Amériques et de la Caraïbe, les bateaux repartent avec les métaux précieux, l'or, l'argent, avec les épices, avec la canne à sucre, avec les eaux de vie, avec le rhum, avec le café, avec le sucre, avec le tabac. Ça dure 4 siècles et demi. La mondialisation. C'est notre histoire commune. Bien sûr, c'est elle qui va nourrir les révolutions industrielles en Europe. Donc, la finition du capital dans les jeunes mains. C'est un décrypteur incomparable avec Engels, référence donc au dernier film de Raoul Peix, que je recommande très très chaleureusement, qui est bien dans la première, il est absolument sublime. Donc, allez-y voir. Donc, voilà, c'est notre histoire, c'est l'histoire de l'humanité. Et ceux qui veulent rejouer la tragédie en disant vous êtes des descendants d'esclaves, je leur dis prenez garde. Si on rejoue la tragédie, vous êtes des descendants de maîtres. Et nous allons le refaire la guerre. Qui donc a intérêt à ce que nous traitions le sujet et que nous y fassions face? Nous tous. Nous tous. C'est notre histoire, portons-la. Avec ses lourdeurs, avec ses horreurs, portons-la. Avec sa lâcheté, avec sa violence indicible, portons-la. Et c'est ce qu'évoque le concept de réparation, puisqu'il n'est pas possible d'aller au fond des choses et de dire à quel point elles sont complexes. La réparation oblige à rappeler qu'il y a là un sujet, et qui n'est pas un sujet d'histoire, qui n'est pas un sujet du passé, qui est un sujet du présent. Parce qu'il y a aujourd'hui encore des vies qui sont emportées par les traces violentes de cette violence inaugurale. Ici aux États-Unis, Black Lives Matter. En France, ces gamins qui grandissent dans des banlieues et qui n'ont pas accès à un système éducatif de même qualité, qui n'ont pas le droit de rêver comme tout enfant n'importe où, rêve de n'importe quel métier, qui n'ont pas la réalité de l'exercice quotidien des libertés individuelles. Choisir sa destinée personnelle et parfois simplement circuler physiquement sur le territoire. Juste ça, parfois. Avoir accès à un emploi lorsqu'on a fait l'effort d'étudier, d'être diplômé. C'est une réalité. Et la question est de savoir si nous nous accommodons de cette réalité. Et lorsque nous avons des idéaux politiques, nous avons une vision de la société. Pour ma part, l'épine dorsale de mes engagements politiques, c'est l'exigence d'égalité. Tout le reste
ne peut que s'agrandir autour de cette exigence de diversité. J'ai rencontré cet après-midi des élèves, des étudiants, que ce soit personne, et qui m'interrogeaient, qui me demandaient, des étudiants me demandaient si je pense qu'il y a une régression des droits civiques et s'il faut une remobilisation. Et je lui réponds que s'il faut juste répéter les combats des années 60 et se remobiliser pour réclamer quelques libertés, évidemment c'est nécessaire, mais cette génération n'aura pas fait mieux que celle des années 60. Et que cette génération doit se mobiliser pour l'égalité. Parce que c'est l'égalité qui dit que la liberté d'aller à l'école doit s'appliquer à tous. C'est l'égalité qui dit que la liberté de loger n'importe où sur le territoire doit s'appliquer à tous. C'est l'égalité qui dit que la liberté d'entrer dans un restaurant, dans un café, dans une bibliothèque, dans n'importe quel lieu, doit être pour tous. C'est l'égalité qui dit que le droit de vote doit être pour tous. C'est l'égalité qui dit que nous avons tous la même liberté d'expression, la même liberté d'opinion. Donc si cette génération est capable d'agréger toutes les luttes, toutes les causes autour de l'exigence d'égalité, nous aurons un progrès de génération dans nos sociétés démocratiques. Donc nous devons porter cette histoire avec cette exigence. Nous n'allons pas tolérer de discrimination officielle, inscrite dans la loi, ou juste pratiquée. Nous n'allons pas tolérer de discrimination. Nous sommes égaux. Et certains ont même payé plus cher que d'autres pour accéder à cette égalité. Donc la réparation possible de cette histoire, c'est de mettre en lumière les apports de cette période d'obscurité terrible et de lumière éblouissante à travers la créativité, d'avoir la résistance humaine des personnes mises en esclavage. La créativité, cette voie de vivre invincible, c'est un apport au patrimoine de l'humanité. Ils ont apporté des formes de résistance originales, ils ont apporté une résilience que nous avons tous prise, que nous partageons, une aptitude à résister, à nous battre, à survivre, à vouloir vivre. Donc les réparations peuvent contribuer, peuvent consister à mettre en lumière cette vitalité, cette créativité, ces combats, cette fraternité particulière nouée à ces moments-là, et porter ensemble notre histoire, notre passé, assumer ensemble notre présent, et vouloir ensemble, ensemble, notre avenir solidaire, le vouloir ensemble, l'imaginer, l'inventer ensemble. C'est cela qu'appelle la réparation. Mot peu satisfaisant et qui peut être justement rempli de toutes ces histoires absurdes et terriblement brutales. Haïti, l'insurrection qui est rendue en fait le tournage, qui oblige les commissaires de la Convention française, Paul Jorel et son tournage, à proclamer l'esclavage dès 1791, alors que nous sommes en 1794 dans les anciennes colonies. Cette ordonnance du roi de France qui oblige, qui impose à Haïti ce que l'Haïti appelle avec raison la rançon d'indépendance. Mais le fait de déclarer en France que la traite égalitaire et l'esclavage constituent un crime contre l'humanité, cela induit la question des réparations. Il n'y a pas de crime de masse qui n'est pas entraîné de réparations. Il n'y a pas de crime contre l'humanité
qui est constaté, reconnu, et qui n'est pas impliqué une réflexion et parfois des gestes sur les réparations. Celui-ci sera le seul à interdire, même aux États-Unis, la question de la réparation est posée. Ça a été le général Schellmann avec les terres, au sud, dans le sud, les États-Unis, et là, vous avez attribué aux Esclaves. Et c'est le président Johnson, peut-être que c'est des anachronismes dans l'histoire, non, c'est bien Johnson, qui a repris les terres d'Esclaves. Et le gouvernement américain avait dit qu'il fallait donner à l'abolition en 1867, tardive, qu'il fallait accorder une mule et 40 acres. À chaque esclave, ça n'a même pas été donné. Mais ça veut dire que le principe de la réparation même a été posé à ce moment-là, parce qu'il était incontournable. Alors, parce que le temps s'est écoulé, nous estimons que nous pouvons éviter, nous pouvons y échapper, nous pouvons être lâches. Voilà, juste comme ça. Pour être là, parce que le temps s'est écoulé, que le beau patrimoine humaniste construit à cette époque-là, parce qu'à cette époque-là, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça, sauf en être victime, dans les États-Unis, dans en Europe, il y a de grandes et belles figures, donc on risquait leur liberté, on risquait leur vie, pour s'opposer à l'esclavage. Donc, ces personnes-là, à cette époque-là, où on nous dit que, ben oui, ce n'était pas les mœurs de l'époque, mais il y avait des esprits éclairés quand même déjà à l'époque. Il y avait des esprits humanistes déjà à l'époque. Il y avait des gens qui disaient que vous ne pouvez pas vendre d'autres êtres humains. Il y en a qui utilisaient le concept de frère, de ne pas vendre nos frères. Et nous, au XXIe siècle, hein, craignons quoi? Donc oui, le concept de réparation, il est complexe, il est contradictoire, parce que j'ai commencé en expliquant que le crime est irréparable. Il est perturbant, mais parce qu'il existe encore des mécanismes et des dispositifs d'exclusion, de discrimination, d'oppression, et que ces mécanismes ont leur source dans cette histoire, dans le racisme, qui en est directement issu, ben il faudra bien s'y coller un jour. Et le plus tôt sera le mieux. Je veux pas ajouter que dans le contexte, bien évidemment, je vais le dire en français, ce sera plus facile pour moi. Dans le contexte, bien évidemment, d'une loi qui instaure l'esclavage comme crime contre l'humanité, bien entendu, ça déclenche une dynamique qui est très différente. Et parler de réparation dans ce contexte-là, oui, je pense que politiquement, c'est beaucoup plus fort, humanistement, c'est beaucoup plus fort, et légalement, c'est aussi beaucoup plus fort. Malheureusement, souvent, le terme de réparation, quand il a été récupéré par des groupes ici et là, il n'y a pas tout ce développement que toi tu fais avec raison, qui est d'inscrire cet esclavage dans la grande histoire de l'humanité et comme on le fait, indépassable et qu'il faut un jour résoudre et sur lequel on peut en effet s'appuyer pour tous les combats qu'on a à mener sur ce terrain. Pour indiquer, c'est une information, le contenu du texte de loi. Parce qu'on retient souvent la reconnaissance du crime contre l'humanité. C'est un texte de loi qui contient d'autres dispositions. Parce que l'article 2 fait obligation à l'État d'enseigner cette histoire. Pour moi, il y a une réparation, je vous mets toujours des guillemets, une réparation symbolique et solennelle dans cette reconnaissance officielle par la République française que la traite négrière et l'esclavage constituent au présent, pas à l'imparfait, au présent, un crime contre l'humanité.
il y a une réparation avec des guillemets encore en termes de rupture d'avec l'oubli. L'oubli a été imposé. C'est une sorte, moi je ne l'ai pas appris à l'école, par exemple, parce que j'ai appris à l'école. Ça fait sens de Dieu, j'ai fait tout un sport à Cayenne en Guyane, parce qu'il y a une colonie de fasciste. Je n'ai pas appris cette histoire. J'ai appris comme un triangulaire, hein. Mais je ne sais pas si c'est en géographie ou en quoi, mais voilà, juste les circuits, c'est tout. Jamais compris, mais vraiment jamais compris, d'abord qu'il s'agissait vraiment d'esclavage, d'autre part que ça concernait les Amériques, et donc la Guyane, après, jamais compris. Je tombe dessus par hasard, à Paris, dans des lectures vagabondes, à la bibliothèque. Donc, enseigner cette histoire, c'est déjà en train de plus. C'est pourquoi l'oubli est actuel, je pense. Parce que, à la deuxième abolition de l'esclavage, les gouverneurs dans toutes les colonies, ils disent, et dorénavant, en substance, mais c'est presque cette phrase-là, et dorénavant, on oublie tout. Il y en a même qui disent, nous sommes tous frères. On oublie tout. Donc, les autorités françaises, la société dominante, choisissent d'oublier. Elles posent l'oubli. Mais ce qui est peut-être plus intéressant à examiner de près, c'est pourquoi la société anciennement esclave et encore dominée consent à l'oubli. Parce qu'elle va consentir à l'oubli. Et elle consent à l'oubli parce qu'elle veut justement se débarrasser de cette histoire. Elle veut se débarrasser du poids de cette histoire. Le poids de cette histoire, la contrainte dans la société, lui interdit toute promotion sociale, lui interdit une réelle émancipation. Donc elle aussi a intérêt à se débarrasser de cette histoire. Donc, enseigner l'histoire telle que l'impose l'article 2 de la loi de 2001 est une rupture radicale avec ces politiques de l'oubli et ces politiques sélectives. Parce que lorsque, pour en revenir à la France, les autorités françaises reconnaissent la pratique de l'esclavage, en fait, elles reconnaissent l'abolition. En fait, elles reconnaissent l'abolition de l'esclavage. Et il a fallu des efforts et des combats pour qu'on comprenne que ce qu'on a aboli, c'est ce qu'on avait pratiqué. On ne peut pas juste fêter le décret de Chester. En fêtant le décret de Chester, en commémorant le décret du grand Chester, incontestablement grand Chester, on est obligé d'aller juste avant la boulicole. Ça paraît. Après, je ne peux plus parler du tout. Ça paraît extravagant. Ça paraît extravagant, mais je vais vous expliquer très très rapidement. Dans les années, c'est un texte de loi que j'ai déposé en 1998 pour les 150 mères de la deuxième abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, 1848. La première, 1794, 1791, précurseur, 1794, c'était une colonie, avec la loi, 1848, évidemment, ça veut dire qu'entre les deux, il y a quelqu'un qui est rétabli, hein? Napoléon. Et donc, 1998, je dépose ce texte de loi, et je ne sais pas que c'est une bataille féroce qui va commencer. Peu importe. Un débat à la radio, et quelqu'un qui. Un duplex avec un président d'association dans le sud de la France, et qui m'accuse à la radio de salir la France, et qui se met à crier, Madame Taubira, vous salissez la France, vous dites que la France a pratiqué l'esclavage, la France, non, elle n'a pas pratiqué l'esclavage, elle l'a aboli.
Donc, je lui explique qu'elle abolit l'esclavage qu'elle pratiquait. Et il se met à hurler, vous mentez, vous mentez. Mais il hurle comme un hystérique dans la radio. Vous mentez, vous mentez. C'est-à-dire qu'en 1998, il y a des personnes considérées comme censées, puisqu'une radio nationale les appelle pour s'exprimer publiquement. Il y a des personnes qui vous disent, en 1998, vous mentez. On n'a pas pu pratiquer l'esclavage, on l'a juste abolie. Mais je vais plus loin parce que je dis que les autorités françaises elles-mêmes ont pratiqué le même déni que ce monsieur. Alors, comme je suis un peu impertinente, je lui ai quand même répondu quelque chose. Je lui ai juste dit que je n'avais plus aucune compétence pour rien faire pour lui, parce que je ne recevais pas ça des 10 ans. Mais les autorités pratiquent le même déni, parce que les autorités commémoraient le décret d'abolition. Point bas. Le décret d'abolition, le 27 avril, le décret d'abolition, et le 1958. Absolument. Et ça a été un combat, y compris après l'adoption du texte de loi, c'est la loi de 2001 aussi, qui fait obligation à l'État de fixer une journée de commémoration nationale, en sachant que dans tous les autres pays, il y avait déjà des dates, depuis les années 80, 1980. Donc c'est la loi qui fait obligation, et l'État met quand même 5 ans avant d'appliquer cette disposition de la loi. La loi est définitivement adoptée en 2001. La première journée de commémoration nationale a lieu en 2006. Donc l'État résiste encore 5 ans à la loi. La loi fait obligation d'avoir une journée de commémoration, et les premières journées de commémoration, c'est les journées de commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'est 4 ans plus tard, en 2010, que nous arrivons à obtenir, mais en nous battant sans répit, que cette journée devienne la journée de commémoration de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. 2010. Donc, il reste encore à faire. Il reste encore à faire. Mais je répète, ce n'est pas un combat mémoriel. Ce n'est pas juste pour se souvenir. C'est pour en tirer les enseignements et grandir ensemble en prenant en charge les conséquences aujourd'hui de cette histoire et en les corrigeant. Maybe it's time to open up the floor to questions from all of you. There are mics coming down from the ceiling, so you should be able to be picked up by them. But otherwise, you can push forward if you go by.
I can refer to at least big part of the black leadership in this country, particularly at the height of the civil rights movement. They have long ceased to see the problem of racism as just a race problem. It became clear that it was a problem of inequality, of injustice, of economical inequality. And I think it was part of the agenda. People like Martin Luther King, toward the end of his life, his short life, his main agenda was to fight inequality, to fight the very basis that was able to create racism. Of course, with all the historical background that Christian Tobias told us about, but the fight was very progressive in that sense. It was a fight for more political freedom, but also economical freedom and independence, and having the means to change that reality. Yes, I do share the idea that education is a key point. I do believe that. And I know that your system is quite different. In France is a centralized country. So you can decide what the minister like me do, can do. You can decide by law or by public policy. You can decide to do something valuable all around the country. Here it's quite different because you are a federal country and the state has some powers and things may be very different from a state to another. But education remains a key point. What kind of education? Because it's not only education. You know Brown against Virginia, okay? Board of education. All these parts to access education. It's really a key point because it is the path to get out of a kind of social space. You are born there, you are born poor, and you remain poor. Even if you're clever, intelligent, and so forth, you remain poor. So education is a key point. But we have to go deeper. What kind of education? I'm thinking about Maya Angelou now. Which one is it? It's not that. Yes, it's I don't want to know. Yeah, you remember, probably you remember. She explains that. This one, yes, I guess that's this one. She explained it was at the end of the academic year, and there was, comment on appelle, la remise des prix. Donc il y a des grands discours. Il y a une école pour enfants blancs, pour jeunes filles, dans les mixte, filles et garçons blancs, et plus loin, une école pour filles et garçons blancs. Et la remise des prix se fait pour les deux écoles. Et le chef d'établissement explique que l'année prochaine, les garçons, les filles auront, grâce à un généreux donateur, that's what you are explaining. If you live in the heart of the city with the rich founders, if you live in the inner city, if you live outside in the suburbs, it's not the same. Donc le chef d'établissement explique que dans l'école des blancs, l'année prochaine, il y aura, grâce à un généreux donateur, des laboratoires pour les sciences, des équipements modernes, etc. Et lorsqu'il a fini d'expliquer tout ça, il donne le nom des donateurs, bien entendu, les noms des donateurs. Et lorsqu'il a fini d'expliquer tout ça,
Il dit, mais on n'a pas oublié le comté de Lafayette. Je crois que l'école des petits noirs, Lafayette. Mais on n'a pas oublié l'école de Lafayette parce que j'ai su défendre votre cause et vos intérêts. J'ai expliqué que l'arrière ou les attaquants de l'équipe de basket de tel comté à côté, ils viennent, ils ont fait leur scolarité là. Donc, on va, voilà, on va penser à vous et on va veiller à ce que vous ayez des équipements sportifs. Et Maya Angelou, elle dit, c'est vraiment dans sa tête extrêmement poignant, parce que je crois que c'est un prêt pour ce qu'il y a l'école professionnelle pour elle. Et elle dit, nous sommes démasqués. Ça n'a servi à rien d'apprendre Shakespeare par cœur. Ça n'a servi à rien d'être très bon en géographie et de bien dessiner les choses. Ça n'a servi à rien, nous sommes démasqués. Nous ne serons que des sportifs pour les garçons et quant aux filles, on n'en parle même plus. Donc il y a la question de l'éducation, mais il y a aussi la question de l'éducation de qualité, la même pour tous. Parce que si on reproduit au niveau de l'éducation les discriminations de la société, on va reproduire évidemment la stratification de la société. Et ça me paraît une question absolument essentielle. Maintenant, pour en revenir au racisme d'une phrase, je pense aux travaux de Barbara Field et Karen Field. Elles ont un essai de très grande qualité qui s'appelle Race Quartz et qui explique que le racisme précède la race. Ça paraît évident et assez scandaleux. Mais c'est puissant. C'est puissant. Parce qu'on a pris l'habitude de raisonner ici, parce qu'en France, c'est quand même plutôt interdit. C'est tellement interdit qu'on est aveugle et qu'on ne veut pas voir les discriminations qui sont fondées sur ça. Mais, voilà. Il y a toujours un racial effectif. De sorte que, dans leurs travaux où elles expliquent que le racisme précède la race, elles montrent qu'il n'y a aucune validité au concept de race. Et que nous devons cesser de nous habituer à raisonner en termes de race, en termes de catégorie raciale, y compris en termes de discrimination raciale. Donc, si nous remettons les choses dans l'ordre, le racisme est une pathologie sociale, il est inadmissible et nous devons le combattre. Nous ne pouvons pas lui donner de la consistance en reconnaissant les races. Donc, nous revenons à ce que je disais, l'égalité est la seule exigence qu'on peut battre. Si nous sommes égaux, nous sommes singuliers, nous sommes différents, et c'est tant mieux à quoi ça ressemblerait si on se ressemblait tous. C'est tant mieux. Nous sommes singuliers, nous sommes différents, mais nous sommes égaux, et nous devons battre pour les mêmes droits, y compris, et notamment, justement, pour les mêmes droits et une éducation de qualité. One of the changes of the keys to change in our society is knowledge, education, which is not being taught in our society. The truth of how the slaves built this country, and it was those who were in power that were the lazy ones, because they did nothing but force people to do the work for them. And because this is not being taught, the truth of the history of this country has not been taught. This is why people have a misconception of who people are of color. And I know that this has been perpetuated all across the globe, in all different corporations, countries, and everything else. It's happening in the African continent, it's happening in the islands, all over the place, of the control of wealth and power. And as long as the education kept from the people, as far as what people understand, if I make the money, I should be able to spend it how I want. Yet, I need the money at the back of all the money for them to make it ahead by the system
territory, it's a culture as well as a lifestyle. The biggest problem is, how do you perceive the easiest way, it's not going to be easy, but to make sure that the educator and all the students who are not promoting the truth of this country, and who really built this country, and the quality of the people that were involved in this. This is the biggest problem of quality of what's happening in our society today. I would like to state that we can do anything we want until we change the power structure of who's really in control. But the question is, how do you find out who's really in control? Go to an action. No, not the action. The Nelson, they're not in control. They're the power. They're all of my forces that are in control. And the Nelson for standing up for the people. And I think many times people say that you need to control, but you don't know who's really controlling the Nelson forces that win. There's a lot going on that seems to be the control of the public. And only if you are involved in certain industries are you aware that it is different. But a lot of our alarm will be exposed. Yes, lady, but I insist. Go to election. Let me try to explain you. I insist. You know this album. This record. Thank you, record. A billing firm and Max Roach. Freedom now. We insist. Freedom now. You don't know that? Oh. It's just because I'm older than you are. That's maybe when I was a teenager. Why? Because I do believe that political policies must be policies of power and business. And it's not because we see that political people let other people to decide for the society that we have to give up to. We have to come back to political places as places where we decide. So when I say go to election, I'm quite serious. Even if you go to Constantine. Alors, même si vous constatez, qu'effectivement, parce que c'est ce que vous me répondez, madame, vous me répondez que non, c'est pas là que se décident les choses. Mais c'est là que, dans une démocratie, les choses doivent se décider. Et même lorsque les personnes en charge, les responsables politiques, cèdent le pouvoir à des lobbies, à des groupes de pression, à des catégories, à des corporatismes, à des intérêts particuliers, c'est une faute. Ce n'est pas un fonctionnement normal de la démocratie, c'est une faute. Et pourquoi justement les lobbies vont dans les lieux de pouvoir, vont influencer les lieux de pouvoir? Parce que ce sont les lieux de décision, des règles. Donc, reprenons le pouvoir dans les lieux de pouvoir. Il faut occuper ces lieux où on dispose de l'appareil d'État, où on dispose des leviers, où on dispose des moyens, où on dispose de l'initiative législative pour élaborer des règles qui répondent à l'intérêt général. So, like Abel Lincoln and Max Roach, and peace. We have now, forever now.
Well, obviously, it's not that simple. First of all, I would say the internet is, first of all, a tool. You know, and a tool just reacts to what we do with it. Unfortunately, so far, we have not put the internet at its best possible use. I remember I was still in college when the first internet access came, and that was way before AOL. Some of you might remember when AOL came on the market. But I remember that you had to be close to somebody in university to be able to go on the net. And I remember quite clearly when I saw that AOL logo, I knew we lost the first battle. I knew, because as soon as it became a market for profit, there is no way that the instrument would continue to be as innocent as we thought it was. So, and that happens on every level. You know, we have witnessed incredible technical development. Science has gathered the last 30, 40 years, and it's an incredible jump into the future. But unfortunately, that jump was always grasped or mastered by the economy, by the capitalistic companies. And as long as it is like that, it's always a curve sometimes. It's never just pure technology. It always comes with a side that is for profit, which means, as Christian said, you know, every new law, there is hundreds of lobbies coming to make sure that their interest will be preserved. And that is why, unfortunately, we lose a lot of those battles. When some deputy or some party of the, you know, the European Union is a very good example. In Europe, I would say there are incredible democratic progress. At the same time, we are always stuck in the fight when the lobbies are always have a number of steps before us. You know, when we are fighting to make sure that, I don't know, in terms of chemical products, for example, that's a good. When association, citizens, the civil society are fighting to make sure that the law takes a certain percentage as a limit for this or this other product. But the lobbying has hundreds of people in Brussels, you know, sometimes writing part of the laws, sometimes whole articles of that law. And we never have enough people or enough power to counter that. And but there are people doing that job. And most of the time we are not even aware of it. And I've seen in politics how when you are, you were a minister in a big country with more potential or, you know, with more weapons in your hands. But I've seen it in Haiti where, as a minister, if you go into a negotiation with the FMI or the World Bank or the European Union, for 50 pages of documents, they come with 10 experts with each page. You can hardly find 5 experts in your ministry to be able to survive that exchange. And that's the way, you know, I'm not trying to be pessimistic, but it's the reality. So we have underestimated the capacity of the whole globalization process, of the whole concentration of incredible economical power in very few hands.
We have seen it in the press as well, how our freedom of speech is not a freedom of speech anymore. Because the way you have to fight for words, like Christine Tobira knows how well to use them, but the access you have and the sort of obstacles you have to go through in terms of, I said it yesterday, when in front of you, you have somebody in one phrase, each word of that phrase is a lie, and you are trying to have a grander discourse, you don't even have the time to be able to criticize each word of this, whatever your opponent has just used. And not everybody has the capacity like Christian to be able to answer to that particular person. So you are in front in a battle where you don't master all the tools, and the opponent don't care. You know, when we are on the left, we are always, and the Democrats, by the way, here. You know, Obama is a perfect example. You know, any problem you put in front of the president, you know, he will try to be very pedagogical and to explain what are the pros and cons of the problem. He did that on race. He has made major speeches on race. But in front of the level of discussion today, you know, this is not audible. Because the other side just say two, three sentences, which most of the time are very prejudiced statements, and you have to go back and explain the whole history of that particular phrase and trying to explain what's going on now, and that means you already lost the battle, what I call the rhetorical battle, because the space is not even there. You know, whether we have 100 channels or three, you know, at least in Baldwin times, you know, he got 45 minutes on the prime time, exactly at the time where there were only three channels. And today, this is impossible. You will never have that kind of space in the public meeting. Yes, as a matter of fact, during the years following the law, during the last 5 or 6 years, it was really implemented, and each year there was a report verifying that it is a situation. So you understand me? You understand when I speak French, you understand when I speak English. Ouais, qui veut tirer les talons? Qui veut tirer les mots balais payants là? Ah, man! So it was. And, but as a matter of fact, now, it's still teaching. But there's not this vigilance. Il n'y a plus cette vigilance, il n'y a plus ces rapports annuels. Il y a des enseignants qui le font scrupuleusement, rigoureusement, sérieusement, dans des endroits très différents du territoire. Mais il y a beaucoup d'enseignants qui sont exonérés,
parfois pour de bonnes raisons, parce qu'ils n'ont pas trouvé les bons manuels, parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, parce qu'ils sont un peu, ils se sentent un peu démunis. Ils sont minoritaires, la plupart du temps, ce sont de mauvaises raisons. Et puis, il y a toujours ce bruit qui est fait par certains responsables politiques, notamment dans le Parti politique. Donc l'enjeu est considérable. L'enjeu est considérable, mais il y a un enjeu, et je vais en parler pendant les débats de la loi. Il faut produire effectivement ces magistrats. Il faut produire des outils pédagogiques pour que les enseignants, parce que c'est une histoire extrêmement lourde, je suis allée dans de nombreux établissements, des lycées, des collèges, c'est une histoire très lourde, c'est une histoire qui provoque des révoltes, notamment chez les adolescents. Et souvent, j'explique que je me suis battue, parce que c'était très dur de faire adopter l'article 2, imposant l'enseignement, la coopération et la recherche. C'était très, très difficile. Et souvent, je vais expliquer que moi, je me souviens comment j'ai découvert cette histoire. Et je ne veux pas qu'aucun homme écoute cette histoire. Qu'aucun adolescent n'écoute cette histoire. Il faut qu'il ait à ses côtés des adultes qui puissent prendre acte de la rage qu'il a entendu, de la fureur, de la haine même qui peut monter en lui, pour que l'adulte soit là, la compagne, qui permette de dompter ça, de se croiser. Moi, j'ai été tout seul. Mais moi, je me souviens de la douleur. Que j'ai éprouvé à vouloir étrangler la haine que je sentais envers moi, sauf que je suis bien déterminée à ne pas devenir une personne haineuse. Et donc, il m'a fallu me battre contre moi-même et chercher de l'oxygène, chercher de la respiration, chercher des lueurs. Et en fuyant cette histoire, j'ai trouvé ces lueurs. Les abolitionnistes, d'avoir le courage des esclaves, bien entendu, c'était pas une longue nuit de 4 siècles, et des résistances depuis des captures sur le trajet entre les villages à l'intérieur et les côtes d'embarquement, sur les bateaux, dans les cas des navires, des révoltes à l'arrivée au débarquement, encore des révoltes, dans les plantations, des révoltes. Et toutes sortes de formes de résistance, empoisonnement du bétail, incendie de la plantation, marronnage, toutes sortes de formes de résistance, en plus de la résistance humaine et ontologique qui a consisté à rester humain et à produire de la culture et à produire des expressions culturelles et artistiques. En plus de tout ça, donc c'était les premières lumières, ça, et puis les autres lumières, c'est que dans les pays même où cela se pratiquait, il y avait des personnes, aussi bien des philosophes, des autorités, y compris morales, comme des prêtres, mais des citoyens ordinaires, qui se sont opposés. Et ce sont ces lueurs-là qui m'ont sauvé. Ça, ça m'a permis de ne pas me consumer dans la haine. Donc il est essentiel que les enfants, que cette histoire en elle-même est une expérience. Il est essentiel que les enfants, soit la découvrent, soit lorsqu'ils la connaissent déjà, puissent en parler. Il faut qu'ils aient des circonstances où ils peuvent verbaliser, y compris la haine, et qu'il y ait des adultes. Et la seule garantie que les enfants puissent en parler à des adultes ou que des adultes puissent les apaiser ou puissent leur dire, moi, il m'arrivait de dire à des adolescents, c'est normal que je sois aussi furieux et même enragé, c'est normal. Voilà. Et puis on va se poser, on va tomber ça ensemble. Il ne s'agit pas de dire que faut prendre ça comme une histoire. Parfois, on dit aux gens, oh, est-ce qu'on ne pourrait pas en discuter sereinement? Ben ouais, d'accord. Non, on ne peut pas en discuter sereinement. Mais on peut ensemble maîtriser, dominer. Enfin, c'est pas ce que je... Donc, effectivement, ces dernières années, c'est moins enseigné. C'est moins enseigné. Donc, il faut à nouveau une vigilance, il faut à nouveau de la mobilisation, il faut à nouveau recherche, je veux dire, le débat. Merci.
juste rajouter quelques mots là-dessus, parce que j'ai eu l'occasion toute cette année, justement, de rencontrer des publics différents, des publics de jeunes, avec les films maintenant sur les autres en France. Et en fait, j'ai constaté que non seulement on avait peut-être régressé dans la prise de conscience de certains problèmes, et qu'il y a cet énorme déni de ce qu'il devrait savoir, il y a un déni, mais que ce déni a quelque part infecté même cette jeunesse noire, arabe, différente, qui sont français. Et je me suis rendu compte, par exemple, que dans la salle, il y avait différents groupes noirs, féminines, féministes, noirs, LGBT, etc., qui, en fait, je me rendais compte qu'ils n'avaient même plus la notion du dialogue entre eux et de trouver des passerelles dans leur combat. Donc, on nous avait appris, en fait, à nous séparer les uns des autres. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir, même si dans certaines banlieues, il y a des groupes qui travaillent avec des hommes africains, des hommes antillais, des hommes arabes, des français. Mais il y a aussi ce constat que chacun s'est agrippé à son agenda immédiat, à sa cause immédiate. Et donc, c'est quand même assez dur, et je me rendais compte, de tenir un discours qui puisse être universel et qui arrive à leur faire comprendre qu'il ne faut pas mettre des murs supplémentaires, que la bataille est suffisamment dure pour ne pas se mettre des obstacles supplémentaires. Mais tout ça pour dire que ma découverte a été que le déni est encore plus profond et qu'il a envahi, je peux dire, la majorité de la presse française. Je ne veux pas parler de ton éclair récemment, mais qui m'a scandalisé. Et qui était quelque chose, pour un grand média français, d'inacceptable. C'était parmi les meilleurs journalistes français. C'était pas un petit journaliste de province. C'est l'une des émissions phares du pays. Donc, on se rend compte que le combat va être très long, parce que, bien évidemment, le problème central en France aujourd'hui, pour le français moyen, ce n'est pas le racisme, bien sûr. C'est ce qui se passe au niveau de l'économie, c'est ce qui se passe au niveau de ce qu'ils sentent comme une sorte de décadence du pays, qui est aussi ce qu'on ressent dans l'ensemble de l'Europe, avec cette montée des extrêmes droites. Et en effet, nous vivons une époque qui est menaçante pour tous, donc on a tendance à passer nos problèmes en arrière, alors sans comprendre qu'en fait, ils sont liés. Quand on décide d'avoir une discussion sur les migrants, cette discussion est malheureusement liée aussi à ce que ces pays sont commis comme actes dans le reste du monde. Les migrants, ils ne sortent pas comme ça de nulle part. C'est aussi la reconnaissance d'une histoire qui est la même pour tous. On n'a qu'une histoire, c'est l'histoire de tous nos pays. Donc, au lieu de créer des liens pour comprendre la connectivité de toutes ces histoires, on a séparé un peu les territoires. Et donc, la discussion est devenue de plus en plus compliquée. Et pour le moment, je ne vois pas encore vers quelle direction ça va. Tu as l'air plus optimiste que moi. Donc, tu t'accroches à des valeurs, etc. Ce que je fais aussi quand je peux. Sur le terrain, je me rends compte que voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de convaincre les jeunes en colère aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après toutes ces années, il y a 20 ans à peu près, il y avait les aînés qui pouvaient encore convaincre les plus jeunes. Et puis les aînés ont dit on va aller à l'université aussi.
on va avoir des diplômes. Et puis ensuite, ils se sont rendus compte que les diplômes ne voulaient rien dire. Ils n'avaient pas les postes auxquels ils aspiraient. Et qu'aujourd'hui, ils ont du mal à parler aux plus jeunes. Ils ont du mal à leur dire qu'il faut se battre pour l'éducation. Justement. Parce que les plus jeunes leur répondent, où est-ce que ça t'a avancé, toi? Et donc, c'est beaucoup plus... Avoir une conversation avec des jeunes aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe dans mon propre pays, en Haïti. Quand on a eu des présidents qui sont, je pense, de l'ordre de ce que vous avez aujourd'hui ici chez vous, c'est très compliqué de dire aux jeunes qu'il faut finir vos classes, il faut aller à l'université, il faut vous cultiver. Parce qu'ils vous ressortent, mais regardez comment ils parlent aujourd'hui. Regardez ce qu'ils disent. Il y a des parents qui ne laissent pas leur enfant regarder certaines prises de parole du président. C'est ça la réalité. Et elle est un peu générale à différents niveaux et différentes valeurs culturelles, mais c'est un peu l'état du monde. I agree. Yes. A few words, if you will allow me. I'll be sure. But I agree with all you say. Nevertheless, I remain optimistic. Yeah. You know why? Because of a privilege. I'm a woman. I could say I'm a lady. I'm a woman. I'm a black woman, as you say. I'm born in a poor family. A woman, a black woman, with a poor social origin. I come from a self-parent family too. Single. What did I say? A little bit difficult, sorry. To make a family start. But it happens. It happens. So, I have origin fights. So, it's easier for me to understand that, not only to understand, but to practice, to implement, that we have to join the fights. It's very, very important. Every time I say that, that's why I say equality is the aim, is the target, is the issue, is the key, equality. Because I want equality for women. I want equality for poor people. I want equality for no matter how you look like. I want equality for that. So you are quite right. All these facts are so divided, so divided. And everyone is weak and weaker due to this divide. So we have to organize and to fight all together. And we will win all together. So I remain hopeful. But I know it's hard. I know that every day, that it's hard. Every day, I know that, but I remain hopeful. But it's what I call an optimism de la combativité. So it's an optimism and optimism de la combativité. Sans répit, bien sûr. We give you the floor. Just to add to that, that doesn't mean I would say I'm like Bob when he says in the film, I'm obliged to be. In that sense, I would say I'm a realist. What I say, and I didn't say before, is that no matter how the example or the obstacle are, if there is one thing that we should be sure of, is that only us can change the whole situation. It will not happen by itself. It's about us taking our resolution, taking our responsibility. This is also what it's about. It's about taking responsibility.
that nothing will happen unless we do something about it. And if possible, collectively. So I agree with you, and it was not a decision of just letting it go or just watch it happen. It's really about, you know, confronting it. Thank you, Monsieur Peck. Merci, Dr. Sauvignon, for once again bringing so many ideas to how we should be thinking about our world in which we inhabit. And thank you so much for sharing so many of your thoughts and experiences with us.